Oh! Bonjour les gens! Bonjour les gens! À finir ce petit chantier. Ouais. Aujourd'hui, troisième jour, à faire Scylla, Scylla, et puis après, à faire Scylla, juste la tête. T'as pas 100 balles! Bon, il y a nous deux. Vous avez Kira qui est là, vous avez Fluffy qui est là-bas. Je vous présente mes deux filles. Alors vous avez Mylène et Maëlie. Tic et tac. Je présente mes deux filles. Vous les voyez jamais, je les sors un peu de temps en temps. Je les sors de la naphtaline, je les emmène. Ça leur fait prendre l'air, reprendre des couleurs. On va au boulot? Enfin, je vais au boulot. Ouais, voilà, nous on te regarde. Vous allez me regarder, sympa. On y va. Alors, changement d'équipement GoPro 7. Vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez par rapport à la qualité d'image, au stabilisateur. Je dirais un petit peu. On arrête, on change la pile, on redémarre. Ça marche qu'une fois en fait. Après c'est la merde, tu vois. Après. On va passer. Le vent est bon. Ah merde, raté. Ah c'est la faute du vent, il a tourné. Ah merde. Attends, on leur plante. Putain, elle a été moins une là. Eh ben, elle est bourrée ou quoi, Martine? Eng, eng, eng. Ouais. Eh ben, t'es sûr que ça va tenir ou ça? Ouais, c'est bon, ça va l'air sourire. Ça va tenir la bête. Ça va tenir la bête, tu crois? On va faire les patounes. On va faire les patounes. On va enlever le gras. Yeah.
coup, tu le coupes que comme ça, là, ou là ? Si je vais économiser le puits. Elle, le problème, c'est que les branches, elles retombent toutes. Donc, où je monte une tyrolienne, histoire que je les coupe et elles partent là-bas. Oui. Parce qu'avec le vent, elles sont intournables. Ou je la bande direct. Et là, y'a pas de risque que ça tombe sur l'autre, là ? Mais le petit, là-bas. Ça va pas jusque là-bas. T'as pas l'œil ou quoi ? Abattage ! Big boom badaboom ! Wow. C'est qui la bête? L'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Et c'est l'ours qui a eu peur. Il est content. Et il est content. Allez ma fille, tire la bûche. Allez, fais péter les muscles. C'est deux stylés dans la bûche. Non mais attends, moi je te dis, moi je te dis, comme ça. Comme ça, là, t'es planté. Là, il y a les fourmis dedans. Là, il était temps. Sinon, t'as fait rien de la bille, tu peux pas jeter. Alors que là, de là-bas jusque là, il n'y a pas de nœud. Donc la scierie, cette partie-là, elle va aimer. Ouais, il n'y avait que là que. Eh ouais, mais que là, que là. Mais c'est comment en bas? Imagine dessous le trou qu'il y a là. Parce que ça, c'est fourmis charpentières, ça. Elles aiment le bois, les bêtes. Là, il peut même le faire scier pour un bardage ou pour habiller les oui. Extérieurs. Besoin de vous sa grange. Oh le dieu! Oh, il y a ça, c'est tout cassé, ça a tout pété, et puis il n'y a personne, il est monté, mettre un petit pansement. Alors, comment est la tête de l'homme? Ah là, on est dans la tête, on est d'accord. Ça, c'est la pointe qui est en haut. Tu as compris le coup? Le coup, c'est tout pourri. C'est que s'il y a beaucoup de vent, ça pète. T'as un cheveu sur la langue. Ouais, c'est un gros cheveu, c'est plus simple de cul qu'un cheveu. Bah, arrête de me faire dire des conneries, ça me fait faire du montage. Ah ma fille, c'est qui le plus fort? C'est papa. C'est papa le plus fort. Oula. T'entends comme ça sonne creux là? Écoute. Pas très très rassurant, hein? Allez. Piverte! Piverte, il est passé, Piverte! C'est où, nom de Dieu, c'est où? C'est quand qu'on démarre la trononneuse? Ah, du travail! Raté! Raté! J'étais presque trop petit. C'est bon, nom de Dieu. Ça va beaucoup mieux se passer que prévu. Yeeha! Un caralho. Ai. Deixou-lhe aí a ver branchol.
Je vais arrêter la gage, je vais monter l'entreprise de pelé. Ah, il est cassé le bébé. Tu vois, il est cassé là. Manque la tête au pauvre bébé. Pauvre titinette. Manque la tête, il a tout le poids là-bas. Pauvre petit père. Ah mais on y est à la tête. Oh, cassé haut. En même temps, on arrive en bas. 2, 3, 4, 5. Oh, le beau camion. Bah oui, t'as l'air de découvrir. Dis donc, coquinette, pourquoi tu es pas étendu? Oh, dis donc, coquine! Chérie, le rappel! Qui claque, Kodak? Déco, déco, déco! T'as des gros. T'as des gros. Il va faire big boom badaboum. Ah, je vais vomir. Ouais, si tu vas vomir, c'est que ça vient. Il va aller de l'autre côté. Tourne, tourne, petit moulin. Les lagueurs tournent autour de l'arbre. Contact, moteur. Ah, viens ma fille, viens voir papa. Mouille mimi. Oh. Ah, il est pas frais ça. Attends, je suis pas prêt là. Dégo, ah, le con il y a moitié pourri, dégo. Ouais. Tiens, on pourrait éviter de me le péter à ras du nez à chaque fois. Dégo. Are you ready? Nom de Dieu! Hop! Oh, ça veille taper les cacahuètes! Et hop, on descend! Hop, hop, hop! Hop, 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 hop! Et où le sol? Il perd, il a la tête à l'envers. Merde. Je suis trop vieux pour ces conneries. Ah non. Abattage. Fais gaffe, il est pourri. Fais gaffe, il vaut rien. Il vaut que dalle. Il s'arrache, il est en train de s'arracher du sol, il n'aime pas. Fight. Big boom, badaboom. Ah,
tu vois. Regarde. Regarde. Regarde-les, les petites bêtes. Elles se sont fait tout le tour de l'arbre, les coquinettes. Comme quoi, des fois, c'est la petite bête qui mange la grosse. Eh oui. Tu vois ? Eh oui, c'est la petite bête qui mange la grosse. Eh oui. La toute petite bête que tu vois là, elle travaille, elle travaille, elle travaille, elle travaille, elle travaille, jour et nuit. Et elle mange la grosse. Regarde ça. Elles avaient fait une superbe maison. Hein. Génial, non? Et il était tout beau. Regarde. Fabuleux ces petites bêtes quand même. Qu'est-ce que t'en dis toi? Fabuleux. Fabuleux. Et quand tu as ça dans un arbre, il paraît beau. Mais il est mort. Eh oui. Parce qu'il paraît que beau. De dehors, tout beau, les corps toutes belles. T'as vu, le seul truc, c'est que quand je suis monté dedans tout à l'heure, je me suis dit, il sonne creux la bête. Voilà. Un petit coup sur la souche pour finir. On plie les gaules. On se casse. T'as cassé la maison des fourmis. Bon, voilà les gens, j'ai une plaie, une plaie ouverte. Plaie ouverte à la tête, je souffre. Ah, tu souffres dingue. Je souffre. On a tout ce qu'il faut, t'inquiète. Ouais, je souffre. Je vais te faire les piqûres, les strips et tout. Hein, t'inquiète pas, l'alcool 90. Alors, je me suis dépêché un peu, fallait aller vite. Donc, c'est tout débité. Ça, c'est le dernier qu'on a tombé tout à l'heure. Il est tout vilain, pas beau. Le premier qu'on a tombé là-bas est pas trop mal. Alors, la première jusqu'à moitié est pas bonne là-bas. Et après, c'est pas trop trop vilain. Voilà. Ça, c'est très joli. Alors maintenant, c'est le monsieur qui avait là tout à l'heure qui va nettoyer. Mmh. Il est super content. Ah ouais. Ah, l'autre là-haut, on a fait ce qu'on a pu faire. On a enlevé le sec. Je veux pas l'abattre, donc on a refait une coupe en biais. Mais tu as vu le trou qu'il y a dans celui-là ? Eh bien, ça, vous allez me demander, oh, mais tu t'es fait mal, tu saignes, tu souffres. Mais c'est moi qui fais une connerie. Parce qu'il y avait une branche sèche là-bas. J'ai tiré sur la branche croyant qu'elle voulait casser. Elle a pas cassé. Je l'ai lâché, un morceau grand comme ça, qui a fait... J'ai vu. Comme quoi, la flemme de remonter la coupée, mais j'ai pris dans la gueule. Ça, c'est le jeu. Si tu montes pas, tu la prends dans la gueule. Tu prends des risques. Si tu prends des risques, tu payes. Vraiment, on espère vraiment que les gros cèdres n'ont rien. Parce que ce serait vraiment dommage. Mais de toute façon, qu'ils aient quelque chose ou qu'ils aient rien, ils vont rester là. Parce qu'ils sont bien là. On va aller laisser tranquille. Ah, il était tranquille, les pauvres. On remercie le client pour la confiance qu'il nous a apportée. C'est clair. Parce que le client est en Martinique, on communique par photos et vidéos. Et avec les décalages horaires et tout ça, c'est pas facile de communiquer. Non. Et on voulait le remercier énormément de nous avoir fait confiance. Oui. Tout est par terre. Ouais, ça y est, tout est fini. Il n'y a rien de cassé, toutes les branches sont en place, les cèdres sont en place. Le puits est en place. Oui. Ben nous... On va changer de camerie. Ah ouais, parce qu'il n'y a plus de beurre ici. En faisant un petit tour par la maison quand même. Oui, entre deux. Entre deux, on va se coucher. Ah oui, oui. On vous aime tous, faites attention, c'est dangereux, prenez pas de risques, essayez pas de faire comme moi tout à l'heure, de dire bon c'est pas grave, elle est sèche, elle va péter, puis en fait elle pète pas, tu la prends dans la gueule. Donc faites attention, gardez bien les méthodologies de travail, ouais, même souvent quand on a l'habitude comme moi, ben, on oublie un peu de... Et puis paf. Et puis paf, ouais. Et paf le front. Fluffy, fais un bisou aux gens. Oh, il fait un bisou aux gens, Fluffy, fais tous les gens. Fais bisous les gens, bisous les gens. Kiki aussi, fais bisous les gens, fais bisous les gens. Kiki, elle est embêtée parce qu'il y a des fourmis. Elle aime pas les fourmis. Dis au revoir aux gens. Allez, occupé. À la chasse. Non, on se calme. On se calme. Bah, t'as vu le mot. Regarde comme il est énervé. C'est comment maintenant ? À la chasse. On se calme. Hop. Allez, on change de crémerie. On vous laisse. On vous aime. Soyez prudents. Éclatez-vous au boulot. Amusez-vous. Soyez prudents. Travaillez toujours dans la sécurité maximum. Oui. N'essayez pas d'aller trop vite. Surtout pas. Soyez sages. Mais pas trop. Ciao les gens. Au revoir les gens. Au revoir à tous. Un bisou. Bisous tout le monde. On vous aime.